Voilà, brasserie Caracol. La bière Bushcraft. Allez. Bon, eh ben, Claude, hein. Oui, Claude. J'ai pas peur où commencer en fait. Je sais pas, quoi tu veux. comment on fait de la bière? Une cuve à eau chaude. La cuve de gauche, c'est une grosse bouilloire. On ne fait que chauffer de l'eau. La cuve de droite, elle sert à deux choses, j'y viendrai plus tard. Et alors la troisième cuve, c'est la cuve filtre, donc un peu comme un gros filtre à café, mais en plus grand. Ouais. Alors, mais la journée de brassage commence la veille, on chauffe de l'eau. Ouais. Parce que... Ben, 4 ml d'eau à chauffer au bois, ben, il faut 24 heures. Il n'y a pas photo. Okay. Donc on chauffe l'eau la veille, le matin, on verse une partie de l'eau dans la cuve à côté. On verse 750 kg d'orge maltais, donc concassée, donc de la, comme une farine en fait si on veut. Ouais. On mélange la farine et l'eau, on passe par différents paliers de température, 48, 52, 63, 72 et 80 degrés. Ensuite, on verse dans la cuve filtre, donc ici, on commence la filtration. Pendant la filtration, ce qu'on appelle le mou, donc le mélange de jus sucré, arrive dans ce qu'on appelle le réverdoir. Et ensuite, il est pompé et il retourne dans la cuve où on a fait l'empattage au début. La cuve numéro 1. La cuve numéro 1, oui, ébullition et empattage. Je ne sais pas si on va arriver à boire le zoom ici. C'est le premier. Donc là commence une ébullition. On fait bouillir la bière pendant, ça dépend des recettes, entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis c'est là qu'on ajoute les épices, le houblon, des écorces d'orange, coriandre, qu'est-ce qu'on peut encore mettre là-dedans? La moutarde. Non, parce que c'est un corps gras. Ah. Et comme des noix, on peut pas. Si tu mets un corps gras, t'as pas de mousse. La bière est plate. Ah. Tout ce qui est gras fait tomber la mousse. Ouais. Un verre à bière qui est mal nettoyé, qui est un petit peu gras, tu verses ta bière dedans, t'as pas de mousse. Pas de mousse. Ah, je sais pas. C'est automatique, ouais. Alors une fois que tout ça est fait, que l'ébullition est faite, que la recette est terminée, on refroidit. Et alors ça part par les tuyaux qui sont là au mur, et ça part de l'autre côté où nous allons aller maintenant. C'est parti. Et là, alors ici, ça c'est la dégustation. C'est dommage, il y avait plein de... Bah maintenant les Français sont partis. Il y en a un quand même, hein, qui est resté. Ah, il en reste un. Celui-là il est trop là avec Gérard. Je pense, hein, Claude. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, et ensuite la bière arrive par ce tuyau aussi. Ça passe dans cet appareil qui est un échangeur thermique. Donc d'un côté on fait rentrer de la bière chaude. De l'autre côté, on fait rentrer de l'eau froide. Ouais. On récupère de l'eau chaude d'un côté, de la bière froide de l'autre. Ça se croise en fait. Okay. Donc d'un côté, tu as l'eau froide qui rentre. Et puis là, tu as la bière froide qui sort. Et derrière, tu as d'un côté l'eau froide qui rentre et l'eau chaude qui ressort. L'eau chaude, on la renvoie sur le tuyau ici. Ça retourne dans la cuve à ébullition pour récupérer l'eau. Ouais. Pour refaire la bière la fois suivante. Et alors, la bière qui est refroidie, on lui ajoute de l'oxygène. Mmh. L'oxygène médical. Ça permet à la levure de se multiplier. Et ensuite, on envoie dans une des cuves, dans une des trois cuves ici, qui sont les cuves de fermentation. Il y a de quoi faire. Hein. Donc, on envoie ce qu'on appelle le mou, donc le mélange, une espèce de thé sucré qu'on obtient. Ouais. On met dedans, on rajoute de la levure. On attend, entre 5 et 10 jours. On obtient alors à ce moment-là ce qu'on appelle de la bière, parce que là, il y a de l'alcool dedans, il y a tout dedans. Et puis, on traverse, on met d'abord le froid pour que la levure tombe dans le fond, pour purifier. Et puis on traverse dans les cuves de garde, où là, la bière reste pendant 3 semaines pour décanter. Au bout de 3 semaines, on récupère une bière bien limpide. Mmh. On la traverse dans un petit volume ou un grand volume. On remet la bière ici dedans, on rajoute un petit peu de levure et un petit peu de sucre, pour pouvoir refaire une deuxième fermentation. On pousse avec du CO2 dans la bière, dans la cuve pour pousser par pression, plutôt que d'utiliser une pompe. Et puis ça arrive dans la soutireuse, la machine qui met en bouteille. Et voilà, la bière arrive par les tuyaux au mur.
ça rentre dans la machine. Ici, les bouteilles... Attends, oui. Là, les bouteilles sont remplies. Elles passent ici, elles reçoivent leur capsule. Elles sortent, on met en casier et on la redescend après dans une chambre chaude. Et 3 semaines plus tard, on peut la boire. Donc, entre le jour où on brasse la bière dans la première salle et le jour où on peut la boire, il faut 8 semaines. Ah ouais, quand même. Oui, quand même, oui. 2 mois. Il faut 2 mois. Ouais. Donc, quand on fait de la bière, on sait seulement 2 mois après si elle est bonne. Et là, les bouteilles qui passent, c'est combien? Des 33 centilitres. Quoi. 33 centilitres. Les 75 centilitres, on les fait à la main. Avec cet appareil ici. Ouais. Donc là, ben, on prend la bouteille, quand elle est vide, on la met. Ça se remplit. Quand elle est pleine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... La bière arrive ici, il y a un niveau constant. Donc, on a un niveau toujours parfait dans, dans le réservoir. Et ce niveau correspond à la hauteur de bouteille pour avoir les 75 centilitres. Okay. Donc ici, on peut régler la hauteur pour avoir exactement le volume de bière qu'on a besoin dans les bouteilles. Ah, putain. Voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à les étiqueter. Ok. Appareil photo. Thank you.
Il y a un bon garde-corps quand même. Voilà, bah ici c'est ici qu'on prépare les commandes. Ouais. Ah ouais. Ah, quoi faire. Voilà, la marque du caracol. Voilà. Caracol. Ouais, l'escargot. L'escargot. En wallon. En wallon. Ah ouais, pas en commande. Ouais. Ah, wallon. Je mettrai. Je mettrai dans la description l'adresse. Et puis contact, tout ce qu'il y a, hein, s'il y a mail, le téléphone, tout ça, je mettrai. Ah oui, il y a de quoi faire, il y a pour tous les goûts. Hein. Là par exemple, ouais, ça c'est une palette qui va partir au Canada. Ouais, ah oui, c'est vraiment plus, c'est... On en a prêté pour les US. Alors c'est vraiment, bon Claude me disait, hein, il travaille dans le monde entier. Amérique du Sud aussi, l'Afrique. Ouais, l'Afrique. Attends, dans les trucs loin, la Chine, le Japon, la Corée. Mmh. Je crois que c'est à peu près tout, enfin du moins pour ce qui est loin. Ah, c'est dans les pays mal, du Gros, ben, la France, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse. Ouais, l'Espagne, tout ça. L'Espagne, ouais. L'Espagne, l'Italie. Ouais, pas mal l'Italie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je sais qu'ils boivent beaucoup de bière, eux. Et alors, on a un deuxième dépôt aussi grand que celui-ci, ouais. À 5 km d'ici. Oh la vache. Et ça, c'est de la troublette, c'est ça? Saxo Bio. Saxo Bio. Mais pas encore étiqueté. C'est comme je voyais le... Ah ouais, non, le c'est parce que les casiers, on les réutilise. Ah, ok. Ils sont des casiers qu'on utilise... C'est en casier tant que la bouteille n'est pas étiquetée. Ouais. Une fois qu'elle est étiquetée, elle arrive en carton. Parce que le problème des casiers, c'est que quand on envoie beaucoup à l'étranger, on n'arrive pas à les récupérer. Okay. Donc l'avantage du carton, bah, c'est jetable. Et, ouais, c'est... Voilà. Puis même pour... Ça évite de devoir repayer un camion pour un retour. Ouais, c'est clair. Moins il y a de camions sur la route, il y a des fûts. Hein. Il y a des fûts là. Ouais, des fûts de 20 litres ou de 30 litres. Ouais. Donc là, c'est 20 litres jetables, c'est des fûts, ce qu'on appelle one way. Ouais. Tu les utilises, tu les mets à la poubelle après, c'est que du plastique. Ouais. Et alors on a ben, les fûts, les vieux fûts, ils datent des années 70 ceux-là. Et alors ben, ça c'est les nouveaux, avec les nouveaux on a fait mettre le logo dessus, c'est plus joli. Ah ouais, c'est clair. Et... Identifié. Ben voilà. Ben voilà, on fait le tout. Et si, ils font une dégustation avec une petite collation, ceci c'est des fromages. Cuisine. Donc la saucisse. On la voit bien la saucisse. Ça. Voilà, Fred Bushcraft au pays de la bière Bushcraft. Mais après, je demanderai encore, je pense que les personnes qui font, enfin qui viennent pour la dégustation, ils doivent. Goûter plusieurs bières, enfin plusieurs saveurs. Parce que là, on voit, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, il y a de la troublette, de la saxo, de la caracole, et puis de la nostradamus. Et là, comme là, aujourd'hui, un samedi, ils ont du monde, même le week-end, hein, le dimanche, c'est écart. Hein. Bon, et là, ils ont tout vidé. Ils ont vidé toutes les bières. Bon là, c'est un quart de français. Voilà, ils font des t-shirts aussi avec leur logo. T-shirt, j'ai vu salopette, un tablier. Voilà. Et puis je pense que, je sais pas, je vais pas monter là-dessus. De zoomer, c'est un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Après, je demanderai à
Saint-Claude niveau degré. Je pense qu'ils ont du 4-9 et je pense que ça doit aller jusqu'au peut-être au 12. 4-9, 4-5, 9 et peut-être du 12, 12 et quelques. Mais quand elle arrive, je lui demande. Voilà. Ça filme. je voudrais demander un truc. J'ai vu la machine là, celle-là. Ah, c'est un appareil pour rendre les limonades pétillantes. Donc, la limonade rentre par au-dessus. Alors, attends, je vais essayer de te prendre en même temps. Attends, mais peut-être quand je vais allumer, ça ira mieux. Oui, c'est ça. Tu peux les allumer. Ça va te donner bien une silence parfois quand la masse populaire est partie. Donc la limonade rentre par ici en haut, elle descend, elle traverse toutes les billes. Le gaz, le CO2 rentre par en bas, lui va dans le sens inverse, il monte. Alors les billes servent à casser les bulles de gaz pour avoir des toutes petites bulles. Les deux se croisent, la limonade ressort par ici en dessous et elle est pétillante. Okay, bon. Donc on rend de la limonade plate, on ressort de la limonade pétillante, le gaz rentre dans la limonade grâce aux billes. Donc les billes font des toutes petites bulles. Et voilà. Ça fait de la limonade. Comment faire de la limonade? Ah, ça date de... Je pense que mes gamins, ils ont des billes. Des années 40 à peu près. Ouais. C'est un peu après la guerre. Ouais. Eh ben, mes gamins, ils ont des billes, je vais te les ramener, hein, si tu veux. Et j'ai vu la patente. Il faut que les billes de jeu sont originaires de ça. Les billes de jeu, c'était ça, ouais. Départ 1900, dans les 100 enfants. Ouais. Et ouais. Après, on a fait pour les jeux. Et alors, ben là, c'est le moulin qui nous permet de concasser le malt. On l'utilise plus depuis un an, il a fonctionné 99 ans. Il date de 1913. Non, pardon, ça fait 3 ans qu'on l'utilise plus. Il date de 1913. Alors, je ne sais pas si bien. On va arriver à voir. Alors, c'est Strasbourg. Strasbourg, mais c'est écrit en allemand. Ouais. C'est avant la guerre. C'est avant la Première Guerre mondiale. Il arrivera à prendre. Strasbourg, 1913, on voit bien. Bon, c'est écrit, ouais, c'est vrai, c'est écrit en allemand. Quoi. Donc. Ouais. Parce que les gens, parfois ils viennent voir ici, je leur montre et parfois ils mettent leurs doigts dessus, ça s'embête. Ouais, à force, ben voilà, ça. C'est impeccable. Et alors en fait, donc ce sont trois aimants, il y a quelque chose de métallique dans le grain, ouais. Ça reste collé dessus, ça ne casse pas les couteaux. Ah, ça c'est bien, pas mal ça. Un caporal. Eh ben, impeccable. Et puis, bon, je disais, moi, juste les dégustations, comment ça se passe quand les cars arrivent Il y a une visite, donc Philippe fait une visite, il explique comment on fait la bière. Donc, à peu près ce que j'ai expliqué, mais beaucoup plus en détail. Ouais. Et puis alors ensuite, il y a une dégustation de 4 bières. Ouais, qui est équivalent à une bouteille de 33 centilitres, c'est ça. Oui, c'est l'équivalent d'une bouteille en 4 verres. C'est un petit peu plus d'une bouteille en 4 verres. Ouais. Et il faut compter à peu près 1h30 pour la visite et la dégustation. Ok. À peu près. Ah, super. Bon, normalement, je pense que les casiers sont pleins. Hein. Ah oui, oui. Mais les Français sont passés, c'est ça. Hein. Ce que je disais tout à l'heure. Là, bon, déjà, il y a de quoi faire. De toute façon, il y en a en bas encore. Ah oui, c'est pas. Et il y a combien de sortes? Parce que là, je vois, il y a 4 sortes, Troublette, Saxo, Caracol. Oui, ça, c'était les bières de départ. Là, pour l'instant, nous faisons 19 recettes différentes, mais nous n'en commercialisons que 16. C'est-à-dire qu'il y en a 3 qu'on fabrique pour quelqu'un et c'est eux qui les vendent. Ah, ok, d'accord. Ok. Et donc c'est de la bière bushcraft quoi, au feu de bois. Ah, c'est au feu de bois, ouais. Donc je me suis pas trompé quand j'ai dit Fred Bushcraft au pays de la bière bushcraft. Ah, oui. Là je suis vraiment tombé pile poil. Hein. Eh ben merci YouTube hein, pour ça. Hein, c'est clair? On s'est connu sur YouTube. Ah oui, puis en plus quel week-end. Ah oui, c'est clair, c'est pas fini. Hein. On attaque ce soir avec la journée avec un bon bushcraft et demain le paintball. Et hier, plein la vue. Hein. Hier le barbecue et le petit coin paradisiaque. Bon, on va terminer la vidéo là-dessus. Et puis, on a une salle. Combien de personnes ici on peut mettre? Combien de films? 80, c'est ça? 100 personnes. 100 personnes. Voilà, 100 dégustateurs. Et bien sur ce mot de la fin, je vous dis...